Il y a une niche. Maléba nous dit que elle avait des problèmes. Son compagnon, Achille Dikolo, elle avait des problèmes avec Achille Dikolo. Achille Dikolo l'avait mis dehors. Elle dit qu'Achille Dikolo l'avait mis dehors. C'est faux. Maléba, tu es en train de mentir. Je vous raconte l'histoire parce que j'ai causé avec Achille de fond en comble. Quand Achille habite avec elle, c'est lui qui aménage l'appartement. Le lit sur lequel Thierry dort. Oh, ma Sabrina est là. Oh, merci Sabrina. Merci Diana. Le lit. Oh. Bonjour ma bise, c'est vite. Le lit sur lequel Thierry dort, c'est le lit d'Achille Dikolo. C'est le lit d'Achille Dikolo. La télévision, c'est la télévision d'Achille Dikolo. Quand elle vient avec Achille Dikolo, elle commence à avoir des sentiments pour Thierry. Tatiana n'est pas au courant. On appelle, parce qu'Achille appelait Thierry mon bon petit. C'était le bon petit d'Achille. Donc, il prend le gars, il font des tours dans la ville. Pas ma femme, c'est la massiste. Il font des tours dans la ville et tout, mon bon petit. Elle est la femme du grand frère. C'est la femme du grand frère. Parce qu'elle connaît Thierry avant Tatiana. Elle connaît Thierry et Achille bien avant. Ma reine dit, bitte. Elle connaît Thierry et Achille bien avant Tatiana. Je t'aime beaucoup, ma Sabrina. C'est comme ça qu'elle commence à voir Achille et Thierry. Elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse, mais elle se contient. Elle se contient. Elle est amoureuse de lui. Comme tu peux me présenter ton copain. Ben, moi, c'est pas comme ça, hein, parce que j'ai la crainte de Dieu et j'ai une éducation, j'ai des principes. J'ai dit, waouh, il est mec, tu es un bon mec. Je commence à développer un sentiment, je commence à être attiré. Ouais, Rodrigo, ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur, mon frère en Christ. Mon frère en Christ, excuse-nous pour aujourd'hui. Ça fait un bon bout. Excuse-nous, mon frère en Christ. Excuse-nous. Elle commence à développer des sentiments pour Thierry. Achille n'est pas au courant. Il amène à l'appartement comme il peut. C'est comme ça que, écoutez très bien, quand elle tombe amoureuse de Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'attirer? Il faut utiliser les faiblesses de Tatiana pour en faire ses forces. Il faut utiliser les faiblesses de Tatiana pour en faire ses forces. Comment utiliser les faiblesses de Tatiana? Il faut se rapprocher plus d'elle. Elle devient quota avec Tatiana. Voilà l'histoire. Merci beaucoup Blanche. Voilà l'histoire. Kota, comment tu dois me rapprocher d'elle pour voir ses faiblesses dans son foyer et les utiliser comme mes forces. Quand tu appelles ta copine, oh, tu sais que mon gars n'aime pas trop quand je lui parle mal. Hier, je lui ai parlé mal, il s'est énervé. Maman, mon gars, c'est que, ouais, laisse, appelle-le, tu le flattes. Elle appelle ton gars, elle commence à flatter ton gars. Elle utilise tes faiblesses, elle en fait ses forces. Le gars voit en elle une femme exemplaire. Il voit en toi le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour elle, comment doit se rapprocher de Tatiana? En lui envoyant à manger tout le temps. Elle lui fait les petits plats. Elle lui envoie à manger pour que Tatiana s'ouvre à elle. Elle essaie de rassurer Tatiana. Tatiana s'est ouverte. Elle a commencé à lui raconter ses problèmes. Ben Thierry, c'est un gars. Et quand ils aiment bien. Moi, j'ai grandi à Crivière, les écrans. Ils aiment bien la brutalité. Ils aiment bien le choc. T'as dit qu'on bagarre en binda. Ils aiment bien les trucs comme ça. Moi, j'ai grandi dans ça. Je sais comment ça se passe. Ils aiment bien bagarrer binda. Il y a certaines tribus qu'un homme t'aime. Quand un homme ne te frappe, il ne t'aime pas. Il y a les étonnes que si on ne me frappe, on ne m'aime pas. Il faut qu'un homme me frappe pour ressentir de l'amour. Merci, Hortense. C'est ce qui s'est passé. Donc, Thierry, elle a commencé à manger, envoie la nourriture à Tatiana. Vous avez compris? Voilà l'histoire. Le gars aménageait la maison. Mais quand elle voyait Thierry et Achille, elle avait des sentiments. Et ce n'est pas son premier coup. Elle n'est pas son premier coup. Donne entre vous mentir. J'ai un problème comme ça. Ma page a des soucis. Elle me présente. Et quand Thierry, je vous raconte l'histoire jusqu'au niveau de la page. Elle fait à manger à Tatiana. Bref, vous savez un peu l'histoire. Et quand Achille ne s'est pas de Gossa, ce n'est pas Achille qui prend sa page. Elle avait une team. Parce que là maintenant, si elle tente de se séparer de sa patronne, elle va perdre 30% à 40% de cette TKC. Elle s'appelait Marma. Il y avait une team qui était, une TKC qui était contre Marma, une autre qui supportait Marma. C'est comme ça qu'une partie de la TKC, elles ont bloqué sa page. Parce qu'elle avait la clé de la page. Elle est lettrée, elle s'est lignée, écrit. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui ait la clé de sa page. Donc, ils ont bloqué la page. Achille n'a jamais touché sa page. C'est la TKC, l'ingratitude. Ils lui ont donné beaucoup d'amour. Ils lui ont donné beaucoup de merci Marie de Cache Joseph, merci Madame Assistant d'amour. Ils lui ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Ils l'ont soutenu, mais elle leur a rendu l'ingratitude. Ils ont bloqué sa page jusqu'aujourd'hui. La page n'est pas supprimée. Mais elle n'a pas la clé. Elle n'a pas la clé. La page existe, mais elle n'a pas la clé. Ce n'est pas Thierry, Achille qui avait bloqué sa page. Elle a menti. Donc, pour prendre Thierry, elle a commencé à raconter à Thierry que Achille était violent. Elle dit à Thierry que Achille était violent. Bonjour, ma voix percée. Elle commence à se confier à Thierry. Ne laissons pas le gars qu'on appelle Thierry là. Achille est violent. Rêve Bagabina. Bagabina. Qui a bagarré? Bagabina. Ah oui, c'est vrai. Elle explique à Thierry que le gars qui est là, merci beaucoup, ma Sabrina, ce monsieur, il est violent avec moi. Il a pris ma page. Il a bloqué ma page. Elle se victimise pour attendrir le cœur de l'homme. Elle fait les repas. Elle envoie la femme de l'homme. C'était pour attirer l'attention de Thierry. Vous savez, vous dites que dans la vie, moi, ni bois,
L'école est bien, la sagesse est bien, l'éducation est bien. Vous comprenez? Parce qu'il y a certaines choses que tu ne permets pas à une femme de faire. Elle voit qu'elle est son petit gars, elle tombe amoureuse. Elle commence à dire comment je vais faire pour attirer l'attention de ce monsieur. Je dois me rapprocher de sa copine. La femme du bon petit de Achille. Achille appelait mon bon petit. Elle se rapporte à Tienne en faisant quoi? On envoie des petits plats. Tu travailles beaucoup, je ne te dérange pas. Je suis là, tu n'as rien à faire. Je viens d'aller à la ville, je n'ai pas de travail, je vais t'envoyer à manger. La reine donne l'argent, elle fait à manger, elle fait les petites gamelles, elle fait le couscous, elle ne sait même pas faire à manger. Bondial, tu ne sais pas préparer. Et que t'as allé autour, tu ne sais pas préparer. Donc, l'éducation, merci Rebecca, ma maman, maman d'amour, l'éducation. Elle commence à faire les petits plats, elle envoie tout le temps. Thierry goûte, il dit que la femme c'est disponible pour moi. Ici à la maison, j'ai une femme qui travaille. Mais elle ne vous ment pas. Elle aime la jaune. Les gens, ce n'est pas mauvais, il y a des gens qui aiment Jean. Et Jean, son gars, Jean, eux-mêmes aiment le mouvement. Allez, les problèmes, aujourd'hui c'est la bunda, demain c'est l'amour. Aujourd'hui c'est la bunda, demain c'est l'amour. Un moment, l'homme un peu. Je ne vous mens pas. C'est pour ça qu'elle a pris Thierry. Pour se débarrasser d'Achille, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis amoureuse de Thierry. Comment je fais? Non, là, maman, c'est le nom de ma loulou. Merci Sandra d'être là. Comment je fais pour me débarrasser d'Achille? Je suis amoureuse de Thierry. Et quand elle envoie à Tatiana, il y a le tobas ici dedans. Elle aveugle Tatiana. Elle ne comprend pas. Elle rentre bleue. Elle Europe. T'as dit qu'on peut même pinder ton nom, tu ne le vois pas. Elle t'a rendu debout. Elle se met au Cameroun tout le temps. Elle t'a rendu debout. Comment je fais pour me débarrasser de Thierry? Il devient un élément encombrant. C'est comme ça qu'elle fait comment pour me débarrasser de Achille. Je suis amoureuse de Thierry. Elle organise un truc. Thierry n'était pas au courant. Elle appelle le gars. Le gars vient à la maison manger. On dirait que la binda commence. Boum, 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 boum. Elle savait qu'Achille est venu le jour-là. Achille atterrit. Il voit qui? Mon bon petit. Oh, Martial, my brother, how are you? Il voit qui? Mon bon petit. Dans la maison, ma maison, mon bon petit. En quoi? En cul, en bermuda. Achille est venu folle. Il dit que rêve, j'ai failli me tuer. Il m'a dit ça. Il dit rêve, j'ai failli mourir. C'est pour ça que le bon petit parvient à s'échapper. Il voit l'anga. Mais tu as peur de ma grand-mère. Il dit à l'anga que tu amènes le gars dans ma maison. Elle veut narguer Achille. Elle prend le téléphone hein, pour appeler la peau. C'est pour ça que le gars arrache le téléphone, il lance son arme. Bim, ça part ici. Ça part ici. Vous avez vu? Elle porte devant. Elle appelle le couple, mais ça, elle ne donne pas la vraie version. Elle ne donne pas la vraie version. Vous savez, quelqu'un veut se séparer d'un homme, elle va commencer à vous mentir. Oh, le gars est violent, il ne vous dit pas seulement la vérité. J'ai souffert dans la maison si. Oh, le gars, il veut me tuer. Oh, vous mentez, oh, il vous cachez. Oh, il me tape. Oh, il m'a trompé. J'avais peur de vous dire, tu mens. Il ne t'a rien fait, tu vas te débarrasser de lui. Point barre. Tu ne ressemblais pas une femme qu'on frappait. Tu ne ressemblais pas une femme qu'on frappait. Tu étais épanoui avec Achille Dicolo. Il était sous ton emprise démoniaque, des médicaments de tobassi. Tu étais épanoui, il ne te frappait pas. Il n'est pas violent. Thierry boit plus qu'Achille. Thierry boit plus qu'Achille. Il adore lever le coude. Vous avez vu qu'il vole le vin, c'est ma personne, et pas le petit dessin. Il vole le vin, mais il vole quand même le vin. On a confirmé, ça l'est suivi. Si il vendait le vin volé. C'est comme ça que Achille dit qu'on dit que quoi? Tu me parles, il lance le téléphone, pam. Regarde, ça prend son œil. Elle commence à débattre. Elle porte l'enfant. Quand tu as l'enfant, l'homme ne peut pas te brutaliser. Elle porte l'enfant. Elle peut, pour que le gars ne la brutalise, il n'a pas touché. Quand elle a porté l'enfant, il a compris que. Parce qu'elle a lancé le téléphone, elle a porté l'enfant pour que le gars ne vienne pas encore sur elle. Il a seulement donné le coup là. Après, elle vient la brutaliser un peu comme ça. Elle a appelé la police. Tu as tapé d'eau. C'est comme ça que Achille Dicolo a commencé à lancer lui. J'étais sûr qu'elle m'appelait pour me dire que non, machin. On me dit non, monsieur. Vous allez passer devant un juge, vous allez faire la prison. Elle a maintenu sa version. Vous l'avez brutalisée, c'est une femme battue, vous avez toujours là, vous avez toujours eu à la battre. Tu l'as bidé la même façon de la vie. Il dit ouh, je l'ai bidé, elle dit que oui, le VI, VI machin là. Elle a dit ça, elle a caché la V, VIOL. Elle a dit. L'angala, chérie, si tu ne te sauves pas toi-même, tu vas lire. Bonjour Nelly, elle a dit que le gars a VIOL. VIOL. Un gars qui est au Cameroun, il a porté l'enfant que tu as chez toi. Le premier, il avait au Cameroun avant toi, il a porté le bébé là, tu pas dit qu'il t'a vu au L. On a dit non, il a fallu les démarches. C'est ça qu'elle envoie Achille, en gata. Elle dit à Thierry que non, il m'a frappé. Thierry, quoi, c'est un gars violent qui frappait vraiment machin, il ne pouvait rien faire. Libre champ. Tu as menti quoi? Elle dit, elle a son grand frère qui est très fort. À la version, cache ma raconté. Effectivement, elle amène, il me prouve, je suis très malade. Vous savez que j'ai été malade pendant longtemps avec mon histoire de fibromes. Donc ça fait que chaque fois que je voyais mes menstrues. Attends, je dirais merci, merci d'être là. Merci beaucoup, Larry Look. La famille d'Achille des compresseurs, sa grande soeur et son petit frère sont restés blancs derrière Achille. On vous a manipulé. Vous m'écoutez, vous allez me dire, vous tombez là, vous me direz. Gabi, tu es un petit con, tu es un con. Tu es un con. Tu es un con, toi, tu es un con. Ils sont restés blancs derrière Achille. Que non, on a vu les efforts qu'il a fait pour lui prendre l'enfance au Cameroun. Je ne m'aligne pas avec vous. Tu ne peux pas aller à Rouen, tu prends le copain de ta soeur, tu envoies Achille à Paris. Sa grande soeur a dit, nien, la mère de la grand-mère de l'enfant qui est chez elle. Elle a dit jamais. Elle dit même qu'il a appelé le grand frère, mais sans que grand frère. Il veut m'expliquer que grand frère ne voulait pas entendre. Elle a boissé tout le monde. Quand je te parle, ça, tu pleures. Il m'a parlé, non? J'ai les vidéos, non? Ouais, demande à Achille, appelle, envoie les messages. Demande à Achille, c'est une femme, ça. Ça, c'est une femme. Gunda, c'est une femme. Anne Simon, c'est une femme, ça. Achille, que j'ai pleuré. La seule lame que j'ai coulée, c'est la main de composant qui m'a fait couler ces larmes. J'ai eu mal. J'ai regardé mon fils comme ça. Il dit, Seigneur, ne me prends pas. Laisse-moi garder mon enfant. Ne me prends pas. Je dois le former. Comme si je ne suis pas là, je vous parle de larmes aux yeux. Il dit, quand même, je me suis mis comme ça. Je suis descendu, j'ai pleuré. Que la mère de composant me dit, ne m'appelle plus jamais. La mère qui m'a. Elle s'est mise à genoux, qu'elle se réveille l'enfant en bain. Oh mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh Achille, c'est Dieu qui t'a donné la vie de ma fille. Achille, maman. Il dit que la maman là était. Elle le bénissait tous les jours. Maintenant, j'apprends qu'elle a mal au cœur. Maman, si tu m'écoutes,
Ton fardeau, ce n'est pas le fardeau de ta fille. Mon fardeau, ce n'est pas le fardeau de mon enfant. Pense à tes enfants qui sont derrière toi. Pense aux autres. Parce qu'un enfant peut gâter tous les autres. Une patate pourrie peut gâter tout un sac de patates. On enlève la patate pour on jette, pour sauver le sac. Tu as compris? Une pomme de terre pourrie peut gâter tout un sac de pommes. On enlève la pomme de terre, on jette, pour sauver les autres pommes. On appelle ça les liens familiaux. Coupe-moi le lien avec la sorcière qu'on appelle mondiale. Coupe ça. Pour sauver Gabi, le reste. J'ai pitié de toi, Gabi. Tu veux me parler? Oh, tu veux me parler? Toi? Dans mon pays, tu me peux, toi, là? Tu appelais Achille, tu le prenais comme le grand frère exemplaire. Tu parlais d'Achille. Achille, tu veux dénigrer. Même toi, tu es ingrat. Même toi, tu es ingrat à Achille du coup. Mais quand l'homme t'a fait du bien, tu penses au bien. Tu ne pourrais jamais pisser la tête du père, du père. Mais rêve, c'est normal que son frère et ses soeurs changent d'avis. Car ils ont fait. C'est ça! Non, mais la famille n'a pas te fait changer d'avis. La personnalité. Pense à tes enfants. Ton enfant n'est pas l'enfant de Gondial. Jamais. Il dit que la mère a dit que ne m'appelle plus jamais. Il a pleuré. Il dit, rêve, j'ai pleuré. Et on cachait la main d'Achille. Que non, il a voyagé. Il va t'appeler. C'est à la fin qu'on a dit qu'il est en prison. On n'a pas dit à sa maman. Quand il s'est séparé de complot, sa grande sœur a dit, Seigneur Jésus, je te loue. Je te loue, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais c'était la joie. La mère pleurait, mais elle voulait se débarrasser de toi. Mais d'une famille, d'une manière diplomatique. Mais elle a fêté ton départ, ma chérie. Elle est amoureuse de mes sangs. Moi, elle est faux pour que rêve, tu es Tina de mes sangs. Je suis comme vous. Vous avez grandi dans mon environnement. Dans ma salle, il y avait la baignoire dedans. Je ne sortais pas de la chambre pour aller me laver. Mais elle avait dans la chambre. Vous avez grandi dans mon environnement. Vous me connaissez. Et que toute manière, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme entrepreneur. Tu es dans le Komosa. Thierry t'a méprisé. Tant qu'un peu, tu ne peux plus parler. Que je fais le direct vendredi, tu as peur. Une businesswoman n'a pas peur du choc. Quand je fais mon business, si mon frère fait caca, il me met de côté. Oui, il met hors d'état de nuit. Il dit mon frère, même pas me met. Hors d'état de nuit. Le nourrir à distance. C'est de ça qu'il s'agit. Hors d'état de nuit. Comme ça qu'on fait. Si t'as soif, tu as peur. Tes produits sont entretenus dans la. On ne parle même plus de tes produits en tant que. Qu'est-ce qu'on parle de tes produits, le Komosa? On parle de tes produits dans le Komosa. Vous voulez blaser les gens. Parce que tu mets la directe, tu mets la veste, tu mets l'habillement, tu viens te vanter devant nous. Tu veux t'habiller. Nous, on a grandi avec les femmes qui s'habillent, maman. Elles n'ont pas le corps de l'habillement. Toi, tu n'as même pas le corps. Tu n'as pas le corps. T'en donnes pas. Beaucoup sont amoureuses de M. Moussang. Beaucoup. Beaucoup. Je vois les commentaires. Ce qui est arrivé à M. Ango. À Thierry, je vois ça avec rêve, monsieur. Je ne suis pas comme vous. J'ai une éducation. Je dis qu'un faux profil vient m'écrire avec ta photo, c'est toi qui récupères parce que je n'ai pas peur de toi, Mehdi. Pourrais-je le dire si tu peux me porter plainte? On va se mesurer les agents des avocats là ici au tribunal. Tu ne me connais pas. Peut-être tu crois que les problèmes là. Je dis que j'adore les problèmes jusqu'à ça sent. On va se mesurer les problèmes. Si tu sais ce n'est pas toi, dis aux gens qui ont ta photo de profil là de ne pas venir m'attaquer. Un faux profil m'écrit avec ta photo. J'entre dans n'importe quel direct. Je t'insulte toi, Amélie Ngonanga, parce que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, Amélie Ngonanga. J'appelle ton nom. Si tu es fâché, prends mon nom, tu peux me porter plainte. On va courir. Je dis qu'on va courir, Amélie, on va courir au tribunal. Tu vas comprendre que je ne suis pas Jean-Louis Messanguin. Et qu'on va courir. Et je ne laisse pas. Je dis que tu vas courir. Moi, je m'agrippe. Je vais m'agripper sur toi comme la ceinture. Ça, c'est qui ça? Jusqu'à tu viens m'écrire la nuit. Tu vas avoir peur de toi. Tu vas, Amélie, quand tu regardes bien, elle a peur de toi. Tu dis que tu es entrepreneur. Tu es auto-entrepreneur sans salarié. Zéro salarié. Tu ne payes pas du Safambeng. Je paye du Safambeng. Soigne. Amélie, je n'ai pas peur de toi. Amélie Ngonanga, je n'ai pas peur de toi. Détrompe-toi vite. Enlève ça de ta tête. Ne t'ajoute pas sur la liste de Ngosa. Moi, je te dis. Parce que jusqu'à présent, la seule personne avec qui j'ai des problèmes sur Facebook, c'est elle. Si tu veux t'ajouter, je vais t'ajouter sur la liste volontiers. Et tu vas comprendre que ça ne chauffe pas. Je n'ai pas peur de toi. Tu aimes écrire jusqu'à même menacer à Messenger. Tu es qui, toi? Avec tes gros pieds là, ton glutathion n'agit pas sur tes pieds, ton gros ventre. Venez m'attaquer, vous allez lire. Vous allez lire. Moi, je ne laisse pas. Amélie, tu m'attaques, je signe sur toi. Quelqu'un vient m'écrire en utilisant ta photo, je signe sur toi. Au tribunal, on verra que c'est toi qui m'as écrit. N'arrête pas tes brebis galeuses là. Toi et moi, on va courir. Je dis, on va courir. Tu vas comprendre que tu as affaire à une femme. Tu vas sortir ton bilan au tribunal, il va sortir le mien. On va voir qui paye les charges en France. Sombre idiote, va. Comment une bande de je ne sais pas quoi comme ça. L'autre discute de mari là-bas, toi, le blanc de l'autre côté, on te chasse. Jusqu'à tu escalades la clôture. Le blanc met tes affaires dans le sac poubelle. Ah, mais moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je dis, tu m'as taxé, je suis sur toi, je vais devenir la fille. Tu vas vivre avec moi dans ton temps. Amélie, tu es qui toi? Une Centrafricaine te prend l'homme. Tu n'as pas honte. Une Centrafricaine te prend l'homme. Tu as pris honte, Amélie. Et tu viens m'écrire en faux profil dans mon Messenger. Tu m'écris un faux profil, m'écris en utilisant ta photo. Je t'insulte, toi, Amélie Ngonanga. Prends le direct si tu peux au tribunal me porter plainte. Tu dis que tu vas vivre avec moi dans ta peau. Tu vas vivre avec moi sur ta peau. Je vais coller sur toi comme la censure. Pour enlever sur ton bras, tu vas couper le bras là. Tu ne me connais pas bien. Vous pensez que vous aimez les problèmes seuls. Et je dis toujours, je ne suis pas caché. Hein. Si vous avez du mal à me retrouver, vous me donnez le rendez-vous et viens. Je ne suis pas caché à Paris. La personne qui me cherche, si tu as du mal à me retrouver, tu me dis que retrouvons-nous à tel endroit, à tel endroit. Moi, il vient même avant toi. Une bande de l'autre, ton ambassadrice est là-bas de l'autre côté, elle discute son petit frère.
Toi, tu es de l'autre côté, un centrafricain te prend l'homme, juste comme mettre tes affaires dans le sac pour que tu escalades avec ton gros corps là. Si tu tombais, tu plaisais tes fesses, tu allais dire que tu escalades la clôture du blanc. On t'a cassé, tu as volé le portable du blanc. Là, on a appelé la police a récupéré le portable pour donner. Tu es une personne. Tu viens là, je vais me marier en juillet, j'ai passé depuis, tu vas faire quoi? L'année prochaine, il y aura encore juillet. Va te filmer dans la maison en bordure de mail, on voit. Va filmer la cuisine où tu faisais les directs là. Pas encore là-bas, filmer la cuisine, là, on voit. C'est Jean-Luc qui te donne les oranges. Hein. Parce que moi, il ne va pas te donner, il ne va pas te donner le lait. C'est Jean-Luc qui te caresse dans le sens du poil. Mais moi, là, je vais te verser. Je vais te verser comme le tapioca. Je vais te verser, on ne va même pas pouvoir te ramasser. Parce que vos choses que vous faites là, que vous faites à moitié, là, moi, je ne suis pas Jean-Luc. Hein. Donc, avant de venir m'écrire dans mon messenger, tourne bien ton cerveau avant de venir entrer dans mon messenger avec tes gros pieds là. Tu vends l'augmentation, ça n'agit pas sur ton pied. Tu es là, gros pied, gros ventre, le ventre en trapèze, tu viens m'écrire. On t'a dit que j'ai le ventre en trapèze. Reviens m'écrire. Agouchou, pépé. Rêve, continue ton direct tout à l'heure. Mais mets ton go. Je vous dis que la fille a mis les médicaments à l'endroit de Thierry correctement et bien. Thierry mange l'endroit, va pleurer. Sa famille va pleurer. Vous avez compris? Sa famille va pleurer. Marie avec Thierry, vous allez la voir. Elle est venue crier sur les réseaux sociaux, sauvez-moi. Laissez-les se marier, applaudissez-vous. Dès qu'elle est venue crier, que sauvez-moi. Vous allez voir. Quand on va être jaloux qu'elle se marie. Voilà la femme qui va amener au Gabon. Elle veut nous blaser avec ça. Que Gabon, franchement, il doit faire encore le gars des USA là. Oui, pour ce produit comme ça. Parlons pour pardon, frère. Mais fait la fille aux États-Unis là, qu'on appelle Samlet là. Je vous dis que le tabac, c'est le poison, le courant. Les femmes piègent les hommes servent les médicaments. Les femmes et les médicaments. Même vos frères, il y a des techniques que tu appelles ton frère. Tu dis que de temps en temps, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, on ne sait jamais. Fais ceci, fais cela. Tu appelles tes frères. Il y a des techniques. Suivez les hommes de Dieu. Il y a des techniques de délivrance, des techniques de prévention. Quand tu appelles ton frère, tu dis que tu sais quoi, de temps en temps, fais comme ça. Tu appelles ton frère, tu dis de temps en temps, fais comme ça sur toi, fais comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. Le tabac, c'est tu. C'est un poison lent. Je ne peux jamais me sentir d'un homme. Soit tu m'aimes naturellement, soit on se sépare. Pourquoi je vais tomber si un nom? Je prends la romaine, je mets la nourriture d'un nom. Donc ça fait ça, elles ont le cœur. Je prends les trucs, je mets un nom pour l'envoûter. Mmh. Les femmes font ça. C'est quoi? Un mètre, ça tue. À la fin de ta vie, le Seigneur te rappelle que tu avais tué quelqu'un. Tu commences à la fin de ta vie, tu commences à réfléchir. Le Seigneur te remet toutes les images dans ta tête. Tu es au Cameroun, on te voit la gerbe de fleurs, c'est un gars qui a envoyé. Pendant sa nuit à la plage, vous avez dit, vous n'avez pas de plage, non? Voilà les photos. On sort pas les vieilles photos. La plage, je m'avais dit, pendant que j'étais au Cameroun, la fleur, elle était à la plage, elle avait les photos qui sont sorties. Il y a des rites pour ça, Fleur Congo. Il y a des rites qu'on doit purifier le corps tout le temps. On demande de purifier son corps. Marie ne veut pas dire qu'on est en sécurité. Oui. Être marié ne veut pas dire qu'on est en sécurité. On ne juge pas, on ne voit pas le caddie de quelqu'un. Tu peux être avec une femme qui te tabasse. 100 ans, tu ne sauras pas. Mais tu vas purifier ton corps de temps en temps. Tu ne vas pas être aveuglé. Tu vas purifier ton corps de temps en temps. Tu purifies ton corps. Tu veux manger le tabasse pour. On va vieillir comme ça en un laps de temps. On va changer comme ça en un laps de temps. Tu fais de jeunes garçons à vieux pères. Ils vivent comme un vieux père. On avait le filtre. Si sa mère mange les deux côtés, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Donc toi, la cousine qui m'excuse là, lui ne sait pas ce qu'il fait. Mais nous, on veut qu'il ait un mariage. Mais comme tu as dit, ne dormez pas. Ne dormez pas. Je le dis à mon vision, ne dormez pas. Attaque contre attaque, attaque contre attaque, attaque contre attaque, ne dormez pas. Ouais. Il en est pour vous, mes soeurs, qui avaient des frères, des cousines. Oui, surtout pas si. L'enfant devient comme un. Mais rien, n'oublie pas que Thierry était dernièrement au Cameroun, peut-être que sa famille s'est réveillée. Ouais, Sylviane, j'ai le message de sa cousine, tu n'étais pas là. Elle m'a fait mon combat. Ok. Je vous dis que quand sa cousine m'a inquiété, Seigneur, les filles sont compris. Mais il est tout dans la vie qu'il faut comprendre les schémas, non? Comprenez les schémas, non? Quand tu regardes ton frère, tu connais ton frère, non? Tu connais son comportement. Quand ton frère change, tu comprends qu'il y a quelque chose. Si bien ton frère ne t'appelle plus, il ne te gère plus. Ton frère qui prenait son qui t'appelle. Mon frère n'a pas fait une semaine à m'appeler. Hier, mes trois frères m'ont appelé. Oui, quand ton frère t'appelle, tu sens qu'il y a quelque chose. Il ne te gère plus. Ton enfant ne t'appelle plus. Tu là, tu dors, tu ronfles. Oh, mon enfant ne m'appelle plus. Pourquoi? Mon enfant doit m'aimer oublier. Tu es malade. Mon enfant ne m'appelle plus. Donc sa mère pour la polygamie, elle va donc perdre son fils. Parce qu'il mange le tobassi. C'est ça, lui appelle le tobassi. C'est un gros sacré dans le tobassi. Oui. C'est un bon diable qui le tobassi. Tu envoies ton enfant en mariage, ton enfant va en mariage. Il va en mariage, il se marie. L'enfant t'appelait tout le temps. Maman, ça va? Maman, tu vas bien? Il fait un mois, deux mois, trois mois, il t'appelle pas, tu dors. Je vais te dégager. Oui, je vais te dégager. Mon enfant,
trois mois, il ne m'appelle pas. Je sais qu'il est marié dans les enfants, il m'appelle, c'est deux minutes. Bonjour maman, tu vas bien? Oui, je voulais prendre tes nouvelles. Mon enfant, une semaine, il ne m'appelle pas. Deux semaines, tu dors, tu ronfles. Il est chez sa femme en bombe. S'il meurt, il va se remarier.